Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler cette fois-ci de la race du fox terrier ou également appelé fox anglais. Donc il fait partie du groupe 3, section 1 des terriers de grande et moyenne taille. Il est originaire de Grande-Bretagne. Sa taille au garrot se situe entre 36 et 39 cm. Le mâle au niveau du poids fera entre 7,3 et 8,2 kg, tandis que la femelle fera entre 6,8 et 7,7 kg. Nous sommes précis. Concernant son poil, il faut savoir que chez le fox, il y aurait deux types de poils, donc le poil lisse et le poil dur. Donc son poil est droit, plat, lisse ou dur, dense et abondant. Le ventre et le dessous des cuisses, quant à eux, ne sont pas très garnis. Concernant la couleur, comme souvent on le voit chez le Jack Russell en comparaison, la couleur blanche doit être dominante. Donc il peut être soit tout blanc, blanc avec des marques fauves appelées tan, noir, noir et fauve, c'est-à-dire noir et feu. En revanche, les marques de bringé, rouge ou foie sont inacceptables. Concernant son caractère, je pense que rien qu'à son physique, on se doute un petit peu, il est actif, vif dans ses mouvements, dressé en alerte, mais également amical, sociable et intrépide. Concernant ses maladies, il n'y en a que très peu, mais voici le peu de maladies qui pourraient toucher le fox terrier. Notamment la tétralgie de Fallot, qui est une maladie cardiaque congénitale, et je pense que justement avec des chiens un petit peu speed comme ça, il faudrait justement que leur cœur soit au mieux de leur forme. On a également l'ataxie cérébelleuse héréditaire. Donc oui, il n'y a pas que le staff comme on pourrait le penser au début qui en est atteint, mais d'autres races peuvent hélas rencontrer cette maladie. On a aussi des problèmes de dermatite atopique, les mastocytomes, l'épilepsie essentielle, le syndrome vestibulaire congénital, la luxation primaire du cristallin, mais également quelques soucis de cataracte. Si vous souhaitez acquérir un fox terrier, il faudra compter entre 600 et 1100 euros de budget. Son espérance de vie, comme beaucoup de petits chiens, même généralement relativement speed, il pourra facilement atteindre les 13 ans. Concernant le témoignage, cette fois-ci nous avons le témoignage de Ali Pet Addict. Par contre, je ne sais pas du tout comment s'appelle sa louloute. Alors, je ne sais pas si c'est Ali le nom de la propriétaire ou Ali le nom de la louloute. Quoi qu'il en soit, c'est le témoignage d'une femelle non l'œuf qui vient de chez un particulier qui a actuellement 8 mois et qui fait également 8 kilos. Donc elle est un peu plus haute que la moyenne que le standard préconise. Donc la maman de cette louloute nous dit que le fox terrier est adapté à tout type de logement, ça ne m'étonne pas. En revanche, une activité journalière est un minimum, mais il saura s'adapter en fonction de vous. Donc si vous ne pouvez pas sortir, il y a moyen de le dépenser mentalement autre que physiquement. Mais vous n'imaginez pas d'avoir un chien qui sortira que très peu et qui fera uniquement de la session canapé. Mais il peut quand même avoir un minimum d'adaptation. Donc voilà, il faudra penser à alterner entre les phases de repos parce que c'est très important de ne pas jouer tout le temps sur le fait qu'un chien on dit qu'il est actif, faut pas non plus le rendre hyper actif, donc faut lui apprendre et lui inculquer les phases de repos plusieurs fois par semaine, mais également alterner avec des sessions de travail physique et de travail mental. Alors la maman de cette petite louloute nous avait témoigné deux fois au cours de mon questionnaire, elle a eu le temps de témoigner deux fois, donc aux 4 mois et aux 8 mois de sa louloute. Donc au début elle nous disait qu'elle était pas très bruyante, mais arrivée à l'âge de 8 mois, elle nous dit qu'elle n'est pas non plus bruyante, mais que maintenant elle est plutôt donneur d'alerte, donc elle aboiera en cas d'intrusion ou de danger. Elle nous dit que le fox terrier est très facile à éduquer, surtout en méthode positive, parce qu'en plus il est très intelligent. À 4 mois notamment, elle connaissait déjà le assis, le coucher, et elle était en cours d'apprentissage du donne la patte, mais en allant forcément au rythme tranquillement du chiot, pour ne pas non plus lui en mettre trop plein la tête. Le fox terrier serait propre dès la première année, même voire les premiers mois en fonction de son éducation. Concernant la sociabilisation du fox terrier, pour lui tout le monde et ses amis, bien entendu tout est une part aussi d'éducation et de sociabilisation dès le plus jeune âge. Si vous avez tendance à ne pas le sortir, à laisser toujours enfermé dans le jardin ou à le porter dès qu'il croise le moindre chien, par contre vous allez avoir l'effet inverse, mais de base il n'y a pas de problème spécialement de réactivité congénère avec le fox terrier. Comme on peut s'y attendre puisque c'est un chien à poil ras, d'ailleurs je ne sais pas s'il a un sous-poil ou pas, ils n'en ont pas parlé donc je ne pense pas, il n'a pas besoin de beaucoup de toilettage, donc un petit brossage par semaine histoire d'enlever les poils morts seront suffisants. Je vous conseille d'utiliser une brosse magique par contre qui pourrait être indispensable pendant les périodes de mue afin d'avoir un poil qui s'enlève très facilement, donc les brosses magiques vous avez juste à taper ça dans Google, de toute façon je mettrai même le lien sur Amazon pour pouvoir vous en procurer un, mais c'est tout simplement une brosse qui de base se sert en éducation et que j'ai remarqué qui fonctionne très bien sur les chiens qui n'ont pas de sous-poil. Et forcément pour le bain, ce ne sera à donner qu'en de rares occasions. Concernant sa santé, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une santé qui est solide puisque c'est une race qui n'est pas forcément privilégiée. C'est vrai que les gens ont tendance plus à se tourner vers le Jack Russell et à délaisser le fox terrier. Donc c'est une race qui reste quand même assez préservée, souvent elle est utilisée plutôt pour un peu de travail. Je pense que c'est quand même pas mal adapté aussi pour toutes les personnes qui souhaitent faire de la chasse, même si je ne prône pas ça, mais c'est pour vous dire à quel point que c'est quand même travaillé et que c'est des chiens qui restent en soi rustiques. Par contre il faut noter, comme je vous l'ai dit précédemment, que pour éviter non plus qu'ils tombent malades, pendant les fortes saisons très froides ou lorsqu'il y a beaucoup
coup de pluie, il ne faut pas hésiter, puisque c'est un chien qui n'a pas de sous-poil, à le couvrir. Comme je vous rappelle, il existe tout type de manteaux, je vous mettrai quelques modèles en barre d'infos, mais il existe des manteaux qui sont très neutres, très... où on voit bien que c'est pour couvrir le chien, ou souvent sur les sites d'équitation, où ça fait vraiment les mêmes types de couvertures qu'il y a pour les chevaux, qui sont adaptés pour les chiens. Donc pour ceux qui veulent pas avoir des petits manteaux avec des brillants, avec des cœurs, avec des trucs un peu trop girly, vous inquiétez pas, il existe tout type de modèle, juste que ce soit pour protéger votre chien de la pluie. Donc c'est imperméable et souvent doublé polaire. Pour le budget, comptez environ 50€ par mois pour élever votre fox terrier. Concernant son apprentissage, donc tout ce qui est au niveau de tours, tricks, etc., il apprendra doucement mais sûrement, il voudra bien apprendre mais à son rythme, même si à chaque fois ça reste une part de chaque individu. Mais il faut savoir aussi que généralement, surtout sur ce genre de chien qui est quand même assez vif, assez intelligent, assez agile, c'est quelque chose à quel ils peuvent être très facilement prédisposés, et que généralement plus ils apprennent, plus leur cerveau se développe et plus ils peuvent en apprendre. Mais alors comment ça se passe avec le fox terrier à la maison? Il faut savoir qu'il reste très proche de ses parents, il n'est jamais vraiment très loin, puisque il est comme c'est un chien qui est quand même assez proche de son maître. Il ne dira jamais non pour quelques petites séances de câlins, d'être un petit peu porté, cajolé sur le canapé, etc. Mais il ne faut pas négliger non plus de lui mettre un petit panier à l'écart, puisque de temps en temps il aime bien aussi s'isoler pour dormir tranquillement. Et au sujet des balades, avec ou sans laisse, il est généralement au pied, mais alors si jamais il y a des copains qui peuvent être intéressants, il ira sans doute jouer avec eux et ainsi qu'explorer, mais restera assez visible. Restez tout de même vigilant, puisqu'il faut savoir quand même que le fox terrier est un chien terrier, donc c'est un chien qui a quand même été prédisposé et sélectionné pour chasser des petits rongeurs et voire même être utilisé à la chasse. Donc faites attention de voir si votre individu vraiment personnellement a des forts instincts de chasse ou quoi, pour qu'il ne parte pas sur une piste et qu'il aille se retrouver coincé dans un terrier ou autre. Donc dans ce genre de chiens qui ont quand même des bases, ont été sélectionnés à la base pour le travail, je dis souvent pour la chasse au gibier, la chasse dans les terriers, etc., n'hésitez pas à vous munir d'un GPS pour pouvoir le retrouver assez facilement si jamais il vient aller pister, qu'il part hors de votre vue. Mais alors à quoi sert le fox terrier, comme je l'ai énoncé bien évidemment précédemment? Donc il a été sélectionné pour pouvoir chasser les rats, etc., pour pouvoir protéger un peu dans les maisons, un petit peu comme un rôle de chat. Et, mais il a également été utilisé pour la chasse, il faut pas se leurrer que c'est aussi sélectionné pour ceci. C'est également un très bon chien de compagnie, mais c'est un chien de compagnie qui aura besoin d'activité, ce n'est pas un simple chien de compagnie, juste chien de canapé. Il sera également très bon pour l'agility de par son intelligence et son agilité, mais également pour faire du canicross via son côté hyperactif, etc. La canimarche pourra également lui aller, tout comme la canirando. Et comme je vous le disais précédemment, du fait qu'il a quand même une certaine intelligence et une certaine vivacité, le fait de pouvoir faire du dog dancing avec lui serait faisable. Mais alors, quelles sont ses qualités? Il est cité que le fox terrier serait très amical avec les humains, également avec tous les types d'animaux. Et on me le décrit comme très drôle. Et du côté de ses défauts, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est souvent un défaut qui en découle d'un trait de caractère du chien, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier que ça n'évolue pas dans ce sens, donc il faut faire attention à l'éducation dans ces cas-là. C'est un chien qui est très proche de son maître, et généralement les chiens qui sont très proches de leur maître, très pot de colle, etc., c'est que ça en découle des problèmes d'hyperattachement. Mais alors, quel serait son maître idéal? Un maître qui saurait être autant actif que calme. Comme je vous le dis, c'est très important pour des chiens d'avoir un maître qui va pouvoir renvoyer pour pouvoir le dépenser physiquement, mais tout autant qu'un maître qui saura respecter ses phases de repos et lui apprendre à se coucher, à se détendre plusieurs fois par semaine malgré tout, pour pas qu'on soit sur un chien hyperactif qui ne sache plus se poser tellement il a été boosté sur la vitesse. Et justement, un maître qui pendant ses phases de calme sera aussi très câlin, très proche de son chien, qui n'hésitera pas à le papouiller, à le dorloter, etc., parce que le fox terrier adore ça. Et donc en règle générale, qui aura du temps à accorder à son chien pour que le chien ne se retrouve ni frustré ni développe des problèmes de comportement, donc c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas à pleurer parce qu'il se retrouve tout seul, qu'il ne se retrouve pas, comme je disais, d'avoir des problèmes d'hyperattachement parce que le propriétaire n'est là que quand il faut l'exciter, qu'il ne soit pas non plus là à le laisser dans le jardin pour que le chien mongolise, comme on voit beaucoup de terriers, c'est le cas, qui sont derrière les barrières en train de hurler toute la journée après le moindre passant. Donc voilà, en règle, un mec qui soit à la fois actif et calme, câlin et tactile, et qu'il soit quand même présent dans toutes les phases de cette journée et qu'il soit pas absent plusieurs heures quand même trop longtemps pour son fox terrier. Donc voilà pour le petit témoignage qu'on a au sujet du fox terrier. Donc voilà, comme on a eu qu'un petit témoignage, j'ai essayé un petit peu de regrouper et de voir ce qui se disait sur Google. Donc comme d'habitude, mes sources sont en barre d'infos pour savoir où est-ce que j'ai un petit peu chopé toutes ces infos. Si vous avez d'autres infos, que vous avez un fox terrier, que vous voulez m'envoyer des photos pour compléter l'article du blog, etc., ou donner plus d'informations, les commentaires sont là pour vous. Et pour pouvoir m'envoyer des photos, tous les liens sont en barre d'infos.
Concernant la petite pub, donc on a le compte de Ali Pet Addict. Alors là on a un petit souci, il faudrait que tu m'ordonnes si tu passes par là ton compte, puisque j'ai cherché sur Instagram en le tapant de différentes manières, mais je n'ai jamais trouvé ce compte. Donc voilà, si quelqu'un arrive à le trouver autrement, je veux bien. Et il y aurait pour le compte, pour un groupe Facebook, le compte Fox Terrier France. Donc voilà la question maintenant qu'on va se poser, est-ce que la race du Fox Terrier pourrait m'intéresser ou pas? Donc déjà, qu'est-ce que j'aime chez cette race? Puisque oui, on va pas partir tout de suite sur des négatifs, on commence par le positif. Déjà le fait, on va pas le négliger, c'est déjà tellement rare de trouver des chiens avec une bonne santé, donc on mettra un point en avant qui est très important. Le fait qu'il ait une santé solide est très 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 intéressant. Ensuite, je trouve qu'il est super adapté pour faire de la canirando parce qu'il a la vivacité, le fait qu'il va tenir sur le long terme, le fait qu'il soit agile, donc qu'il peut affronter tout type de terrain possible. Il est aussi petit, donc si vraiment... Dans d'autres moments où il y a de l'escalade, où lui ne peut pas escalader, vous pouvez le mettre en sac à dos. Si jamais il est fatigué, vous pouvez le porter quand même. Si jamais c'est blessé pendant la canirando, vous pouvez le porter. Donc je trouve que pour la canirando, il est vraiment super adapté. Après, c'est sûr qu'il ne sera pas là pour vous tracter, mais il ne sera pas non plus un poids pour vous. Sa taille et son poids, ils sont un peu petits, mais ça reste assez raisonnable pour moi. Ce serait quand même dans des tranches de taille où je pourrais me dire pourquoi pas. En revanche, qu'est-ce que je n'aime pas? C'est un terrier. Je ne suis pas du tout une fan des chiens de type terrier. J'ai vécu avec beaucoup de terriers dans ma vie et leur côté un peu trop. Enfin, ça fait un côté. C'est pas hargneux, mais leur manière de chasser les terriers, ça apporte un côté un peu hargneux qui fait que je n'aime pas. En plus, généralement, les terriers ont tendance à chasser les hérissons et je suis une fan des hérissons, alors comment te dire que si je chassais tous les hérissons de mon jardin, on serait pas très copains. Physiquement, il est assez atypique, il change, etc., mais il reste pour moi trop proche du Jack Russell, qui est une race que je n'apprécie pas spécialement. Et justement, on se retrouve avec trop de risques d'aboiement, je suis pas sûre de pouvoir le défouler correctement et j'aurais peur qu'avec moi, il développe des troubles du comportement et qu'il ait beaucoup de problèmes d'aboiement, ce qui, comme je vous l'ai déjà prédit dans plusieurs vidéos, j'ai déjà assez subi ça avec le chihuahua, donc je suis pas prête à re-signer le risque. Donc comme je vous le disais juste avant, le besoin de dépenses physiques, j'ai peur de ne pas pouvoir y pallier. Moi j'ai besoin d'un chien qui soit plus un chien de canapé. Et le côté qui revient souvent dans les témoignages et de ce que j'ai vu sur internet, on me dit toujours qu'il est infatigable. Moi je suis un petit peu plan-plan quand même. Hein. Donc non, je ne me vois pas du tout avoir un fox terrier dans ma vie. Et d'ailleurs, petite information, je mettrai une petite photo d'une autre race dont on parlera prochainement ici. Je l'ai très souvent confondu, c'est pour ça que j'étais étonnée en faisant cette fiche. C'est que quand je me suis renseignée sur le fox terrier, je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'appelais fox terrier les Welsh terrier. Donc ça fait des années que je confondais ces deux races. Donc maintenant comme ça, c'est ça, en même temps en faisant des vidéos pour vous, j'en apprends aussi plus moi-même. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Surtout si jamais vous avez quelques vidéos ou quelques photos à me partager, n'hésitez pas, parce que là, pour le coup, je me retrouve sans trop de contenu à vous présenter. Et souvent on me dit, mais en fait, il y a certaines vidéos, tu devrais mettre plus de petites photos qui passent juste ici et tout. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de moments, si j'utilise des photos, il y a des gens qui sont un peu tatillons et qui apprécient pas qu'on utilise leurs photos, même en les citant en commentaire. Donc j'ai parfois certains soucis de pouvoir utiliser des photos sans avoir des problèmes de droit d'auteur derrière. Donc voilà, quand je peux, je vous mets du contenu, quand j'en ai pas, bah, je ne peux pas. Donc si jamais vous remplissez la fiche pour pouvoir parler de votre race, n'hésitez pas à me contacter en complément sur mon adresse mail pour m'envoyer que ce soit un lien WeTransfer ou etc. pour pouvoir me passer les infos pour pouvoir récupérer toutes les photos de vos loulous. Alors quand vous avez un compte Instagram, c'est parfait si le lien fonctionne, mais voilà, si jamais vous voulez que je mette des photos tout au long de la vidéo, il faut me les envoyer soit par mail, soit m'identifier dans votre... enfin pas m'identifier mais me donner vraiment le lien de votre compte Instagram sans souci. Donc n'envoyez pas spécialement des photos en MP parce que ça par contre c'est très compliqué à récupérer et à gérer, mais voilà pour la petite info. Donc j'espère que cette découverte de cette race, si vous ne la connaissiez pas encore, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Kissou.